Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Et là, ce matin. Comment dire, hier on s'est couché à 5h30. Voilà, on est complètement décalé. Donc là, je me suis levée, il est 14h30. Là, il est 15h. Voilà, je prends mon petit déj. Je suis totalement décalée et quand je veux me coucher tôt, bah, je ne suis pas fatiguée, je pète la forme. Donc, faudra peut-être que je recommence à faire de l'ASMR. Avec les écouteurs là, faut que je réécoute peut-être de l'ASMR. Parce qu'il y en avait une qui me faisait vraiment bien dormir, c'est ASMR Serena, je crois que c'était ça. Et vraiment, elle est super bien, elle est géniale, elle est toute mimi, elle est toute mignonne. Je pense que je vais devoir faire ça pour m'endormir parce que sinon je vais pas tenir le rythme. Parce que là, d'ici un mois, bah, je me lèverai à 19h et je me coucherai vers... Vers midi, c'est pas possible. Alors il y a un avantage à ça, c'est qu'on vit pendant les heures creuses, donc on consomme moins, ça c'est bien. Mais sinon c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Sinon j'aimerais bien vous faire une ménage routine là, une clean routine, parce que je n'ai pas fait le ménage depuis que je suis arrivée chez moi, donc ça veut dire il y a très longtemps quand même. Je suis arrivée ici le 6 mars, enfin, on a eu les clés le 6 mars, je n'ai pas fait le ménage, enfin j'ai passé un petit coup de Swiffer que j'ai retrouvé dans un carton. Les gars, j'étais tellement contente, mais c'est tout, genre le sol n'est pas lavé, il n'y a rien pour laver en fait, donc c'est génial. Mais je crois que j'avais un carton où genre il y avait tous les trucs de nettoyage, mais je le retrouve pas, donc ça c'est chiant. Bref, je me suis fait un thé, c'est le thé Oolong, donc c'est mariage frère, c'est un très bon thé, ça si vous connaissez pas, c'est l'un des meilleurs thés au monde, je dirais. En fait j'ai plein de microfibres etc, mais j'ai pas de produits pour les nettoyer en fait. Donc je peux faire avec de l'eau, mais l'eau et du savon, au bout d'un moment, je vais être à court de liquide vaisselle. Je vais faire du pain grillé avec du beurre salé parce qu'il nous reste plus grand chose. Donc voilà ce qu'il nous reste. Donc il me reste une bouteille de jus d'orange, il me reste les poireaux. Donc ça je pourrais les faire. Il me reste juste un truc de crème, donc je pourrais pas tous les faire. Il me reste des pâtes, il me reste des champignons. Ça c'était ce que j'avais acheté à Lidl il y a longtemps, qui dure bien, donc c'est des pâtes. Et j'ai des lardons. Voilà, ça s'arrête là. Après j'ai encore mes oranges, j'ai mon chou, j'ai deux tomates. Et voilà, ça s'arrête là. Donc il n'y a pas énormément de choses non plus pour manger. Donc voilà, il ne nous reste pas grand chose. On peut tenir encore un petit peu, mais c'est tout. Mais j'ai pas envie d'être en mode ah il me reste vraiment plus rien du tout, donc c'est la merde, donc faut que j'aille faire les courses. Et s'il y a plus rien au niveau des magasins, bah ça va être de la grosse merde. Donc je préfère prévoir avant. Donc on ira faire les courses, je pense, chez Lidl, même si Lidl c'est beaucoup plus loin que Carrefour. Bon bah voilà pour le petit déj, je vais prendre mon ordinateur et je vais regarder des vidéos YouTube sur le balcon. On a fait un petit gâteau au chocolat banane vu qu'on n'avait pas d'œuf. Donc on a fait un gâteau au yaourt avec de la banane, du chocolat, farine, sucre. Lait. Et on a rajouté des petits morceaux de chocolat en fait à l'intérieur, donc c'est hyper bon. Vraiment, ça c'est une recette à refaire. Donc il y a Bichette qui nous a rejoint, Birdie aussi. Oh oui. Oh bah c'est bien dehors. Hein. Oh là là. En vrai, ça fait trop du bien qu'il y ait personne qui roule dans Paris parce qu'on sent vraiment la pollution et là on la sent plus. Genre c'est un truc de malade. Genre c'est le ciel il est bleu, il est pas gris. Ça fait du bien. Je sais pas si vous arrivez à voir l'état de mes carreaux. En fait, les personnes qui ont fait les travaux dans l'appartement, elles ont dû couper tout ce qu'il fallait couper ici. Et ils n'ont pas nettoyé après les vitres. Sauf que moi, je n'ai rien pour nettoyer les vitres. Donc je me tape des vitres sales. Ça, c'est sale. Et si je mets de l'eau, j'ai essayé, avec du liquide vaisselle, eh bien, ça me fait des traces de malade. Donc ça, pour l'instant, je ne sais pas trop comment faire. Parce qu'après, j'ai un Karcher. Vous savez, j'ai le truc à Karcher que j'ai eu à mon Noël. Il est vachement bien ça. Et bah, je l'ai pas avec moi, il est à ma cave. Mais vous pouvez voir que c'est crado quoi. Et là j'ai ma chouquette là. Bah oui, parce qu'il y avait un chien, elle commençait à aboyer. Bon oui mon amour. J'étais en train de regarder les colorations bio chez Beauté Privée qui vendaient là. C'était 10€, donc je trouvais ça intéressant. Et la marque elle est bien. Sauf que en fait j'ai peur déjà de la couleur. Bon après la couleur je m'en fous vu que je serai à la maison, donc il n'y a personne autre que moi et mon chéri qui verra la catastrophe. Mais j'ai peur d'être allergique. Même si je vais faire le test avant et tout, tu vois, mais j'ai peur d'être allergique et d'être une ampoule comme avant. Et de devoir aller à l'hôpital ou chez le médecin avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc je voulais faire ça, mais je pense que je vais attendre et que je vais aller chez le coiffeur pour rattraper un peu tout ça.
Mais j'ai trop envie d'enlever le blond, je n'en peux plus en fait. Et j'ai envie de couper mes cheveux, c'est ouf. J'ai limite envie de demander à mon copain de me couper les cheveux, quoi. Tellement j'en peux plus. J'en ai marre de ces cheveux cramés. Genre, je les sens en plus. Ils sont moins cramés qu'avant, mais ils sont encore cramés. 15h47. Putain, on dirait qu'il est genre 10h du mat pour moi. C'est une catastrophe, je suis totalement décalée. Et j'ai réussi à arroser mes fraises parce que ça fait longtemps que je les ai pas arrosées. J'ai mis de l'eau, donc en fait les fraises je les ai mises il y a au mois de... quand j'ai fait ma vidéo jardinage, je voulais mettre un petit si je la retrouve. Et en gros, on m'a dit qu'il fallait les laisser en gros sécher avec les feuilles mortes, fallait les laisser pour l'hiver. Mais nous ne sommes plus en hiver, Elisa. Donc il serait peut-être temps de les enlever. En tout cas, elles sont bien, elles sont encore là. Il y avait encore des petites fraises comme vous pouvez le voir, mais elles sont pas encore rougies. Et là en fait c'est tous mes pots, etc. Et en fait il faudrait que j'achète une petite colonne ici. J'ai vraiment une toute petite, pas très large, pour pouvoir mettre tous mes petits trucs comme ça. Parce que bon, un carton et ça c'est pas terrible. Donc bref, là je vais rentrer parce que j'ai un peu froid. Et l'autre avec sa musique qui me casse les couilles. Et en fait dans l'immeuble d'en face il y a que des jeunes. Donc... des fois, ils mettent la musique à fond et tout, bon, on s'en fout parce qu'on n'entend pas quand on est ici. Et moi, dans cet immeuble-là, il n'y a quasiment personne pour l'instant. Donc on est un peu tranquille, ça c'est cool. Et dans l'immeuble à côté non plus, on n'a personne. En face, on n'a personne. On a juste là, à droite, où il y a des gens. Vivement qu'on soit plus en confinement, les enfants. Regardez, Bichette. Bon alors, mon château soleil, tu fais bronzette? Bah ouais. Et ce qui est bien, c'est que quand on est chez soi, on n'entend plus rien. C'est ouf, hein, le double vitrage, vraiment, c'est... Je vous aime, hein, vraiment. C'est une tête du triple vitrage. Hein. Quand j'ouvre la fenêtre, ça fait boum 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 boum. Ah, il y a un mec qui fait son sport. Bébé, il y a un mec qui fait son sport, il est torse nu. Ah là, tu débarques, hein. Tout à l'heure, quand j'ai dit à Bichette qu'il faisait des mignonneries, tu viens pas. Et tu regardes. Bah, il est en plein dans ma vision, il fait quoi? Il fait avec des bouteilles de je sais pas quoi. Et tu regardes. T'es sérieuse? C'est ouf quand même les mecs. Hein. Non, tu... Non! En plus, il a un gosse. Tu peux... Ouais, tu peux fermer. J'ai pas envie de voir un gosse. Ah, je le vois encore. Merci, stop. Non, bébé, j'aimerais bien voir la lumière, s'il te plaît. De folie. Quand je dis d'aller devenir voir Bichette qui est trop mignon comme ça dans le soleil, il met 15 ans pour venir. Alors quand je dis qu'il y a un mec qui est en train de faire son sport torse nu, ça court, hein, hein, Bichette? Si je vais faire mon sport bidon nu, tu vas voir. Bidon nu. J'ai regardé les fins de mes vidéos. Ce que j'avais envie de faire, c'était de mettre un masque sur les cheveux là pour les nourrir. On va faire ça, comme ça, ça va bien s'imprégner. Bébé, demain, faut qu'on nettoie tout l'appart, faut qu'on passe quelque chose parce que là c'est n'importe quoi. Hein. Il y a trop de carton encore, je vous jure, il y en a trop. Mais je sais pas où mettre mes affaires en fait. Ah bah le monsieur il est parti, il a arrêté son sport. Ça a pas duré longtemps. Hein. Je t'aime. Sérieuse. Non mais il est parti. Il me faut de la lumière pour filmer. Regarde, j'ai plus de lumière. Mais t'es casse-cou! Mais il est plus! Si, il fait de la boxe! T'es sérieuse? T'es vraiment en train de monter des mecs devant? Donc je disais quoi? Oui, j'ai envie de me faire un petit masque pour les cheveux là. Et ce soir, je me ferai aussi un masque. Hier, je m'en suis fait un, je vais vous le montrer. Alors, hier, ce que j'ai fait un masque à pollution clearing mask Japanese matcha tea. C'est celui-là de chez The Body Shop. Alors, il est vert. Il est bien, je trouve. Il a bien purifié ma peau. Il était qu'une seule fois et je vais le réutiliser comme ça. Je vais voir un peu ce que ça donne sur ma peau. Bon, là, on n'a pas beaucoup de pollution en ce moment vu qu'il n'y a pas de voiture. Donc là, je vais faire un masque pour les cheveux. On va faire le masque Botox ou Olaplex. Je pense que je vais faire le Olaplex parce que la dernière fois, j'ai fait le Botox. C'est 100 ml. Vous pouvez le retrouver chez Blulibulu ou Sephora. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est très très bien pour réparer les cheveux. Je vous mets ici, il me reste 8% de batterie. Hé, hey, on est bien ici, hein. Sur mon masque et sur ma coco cream. Non, je trouve qu'on est bien. Donc 8% de batterie, Elisa, tu vas te dépêcher. Là, mes cheveux, ils sont gras, mais comme jamais. Faudrait que je lave ma brosse après. Et j'irai peut-être au petit salon de Thier. Ça va me faire un peu de route quand même, mais c'était vraiment super gentil là-bas. Merci à l'abonné qui me les a conseillés, parce que vraiment, ils ont fait un travail génial en très peu de temps. En plus, j'ai pas attendu 6h30 comme...
comme chez l'autre folle la dernière fois. Elle m'avait fait un super blond aussi, mais là je n'en peux pas. Faudrait que je vois avec elle ce que je pourrais faire. Je sais pas si je reblondis les pointes ou si je me refais un truc tout uni en fait avec ma couleur naturelle. Dites-moi ça en commentaire parce que vraiment je sais pas du tout. Est-ce que je reblondis sur les pointes pour faire vraiment un tie and dye ou alors est-ce que je me refonce? Mais je pense que je vais me refoncer les cheveux. Après tu vois ils sont beaux, ils brillent un peu quand même tu vois. Mais j'ai peur de les recasser en fait. Parce qu'en fait j'avais vu sur internet que les cheveux élastiques bah c'était impossible à réparer. Bah en fait si, c'est des conneries, quand c'est élastique certes c'est mort mais par exemple moi quand je me brosse les cheveux avec les cheveux mouillés bah ils sont plus du tout élastiques, vraiment. Avant j'y allais vraiment très mollo et là maintenant j'y vais, ça part pas, enfin ça casse pas. Donc ils sont plus du tout élastiques, ils sont beaucoup plus forts. Donc ce que j'ai utilisé Airburst, ça a vraiment beaucoup aidé. J'ai utilisé l'Olaplex, j'ai utilisé le masque à la coco que je vous ai montré là, qui était tout petit chez Beauté Privée. Je vous ai montré sur Beauté Privée combien il coûtait, il coûte 2,90€, il coûte vraiment pas cher. Vous avez été quelques-uns à me dire que vous l'avez acheté parce que c'était pas cher. Et vraiment très très bien aussi, je me faisais des masques à la coco sur toute la chevelure en fait. Donc ça je l'ai vidé en 3 semaines parce que je m'en faisais beaucoup. Et là ensuite j'utilisais de l'Olaplex un petit peu. Je me faisais pas de bain d'huile parce que je n'aime pas les bains d'huile. Enfin je m'en suis fait au début quand j'avais la tête en forme d'ampoule. Mais c'est tout, après j'ai pas fait de bain d'huile. Qu'est-ce que tu fais? T'es con. Mais j'ai plus fait des masques en fait et des shampoings adaptés. Donc le shampoing Organicare Ricin, celui que vous voyez juste là, il est très bien aussi. Donc là dès que je finis le Airburst, bah, je vais faire celui-là. Mais avant d'avoir le Airburst, j'utilisais le L'Oréal, sauf que je me grattais énormément le cuir chevelu. Je pense que j'étais allergique à un truc dans leur produit. Et après j'utilisais ça et ça fait vraiment les cheveux très brillants, très souples et tout. Donc, je sais pas si je me fais des tresses vu que c'est un truc assez, assez léger. Ouais je vais le laisser comme ça je pense. Je vais juste m'en mettre un petit peu plus ici. Ah d'ailleurs je vous ai pas fait la vidéo avec le salon de coiffure. Je sais pas si je la ferai. Je sais pas, vraiment je sais pas. J'ai envie de passer un peu à autre chose mais j'aimerais bien vous raconter plutôt l'étape où j'avais ma tête en forme d'ampoule. Parce que si ça arrive à des gens je préfère leur montrer ce que ça va donner quoi avec ma tête d'ampoule dégueulasse. Mais ah oui je vous ai pas raconté, c'était pendant la consultation. Elle m'avait proposé de me rembourser les 200€. De me faire un an de soins Botox dans son salon de coiffure. Sachant que ça, le Botox, je l'ai payé 5€ sur Beauté Privée. Ça peut faire au moins, si on l'utilise une fois par semaine, 4-5 mois d'utilisation. Donc elle s'est bien foutue de ma gueule. Comme si j'avais envie de voir sa gueule pendant un an. Ça m'a fatiguée. Donc je vais laisser poser jusqu'à ce soir. Donc c'est-à-dire 3h30. Putain ça me saoule d'être décalé comme ça. Pourtant je mets un réveil hein, je vous jure. Mais je l'éteins directement parce que sinon je... En fait dès que je me lève trop tôt et que je suis fatiguée, je chope toutes les maladies. Genre j'ai besoin de dormir parce que moi dès que je suis fatiguée, mon corps il veut prendre toutes les maladies. La grippe, la gastro, etc. Donc vu que j'ai fait les courses demain ou après-demain, il faut pas que je sois fatiguée sinon je vais tout choper. Je me connais, je vais tout choper. Donc il faut à tout prix que je sois en forme, sinon mon corps il va pas supporter. Donc peut-être après les courses, j'essaierai de reprendre un rythme. Mais là je peux pas reprendre un rythme pour l'instant parce que j'ai pas envie de choper toutes les maladies. Bref, je n'ai plus de batterie, je vais aller mettre ça à charger et on se retrouve juste après. Bon, il est 19h51, il est l'heure de manger, il faut qu'on reprenne des habitudes. Alors, il y a des pâtes à manger. Donc... je voulais faire des pâtes carbo. Et après, je vais me faire un petit masque. Oui. Donc voilà pour les pâtes carbo, lardons. Et mon copain, il se fait un truc avec des champignons, des lardons, du poireau et des pâtes. Et de la sauce tomate, un ticket. Oh là là, c'est pour qui ça? C'est pas pour toi, non. Et en dessert, je me mange 2 oranges. Vu qu'il n'y a plus beaucoup de jus d'orange, j'essaie de me prendre des oranges qui sont beaucoup plus vitaminées. Bon, il est 20h41. Je vais faire un masque et après je vais me laver. Je vais attendre qu'il sèche. Donc pour faire le masque, donc moi j'utilise... ça c'est pour se nettoyer le visage. C'est une mousse, une eau de mousse micellaire. L'odeur je sais pas, elle est un peu chelou. Sinon je vous en ai déjà parlé dans ma routine du soir. L'odeur elle est un petit peu chelou. Mais bon faut le finir quand même, on va pas le jeter. Donc ça fait une forme de mousse en fait. Voilà. Moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est périmé. Alors que ça fait pas longtemps que je l'ai reçu.
Donc voilà pour ma gueule. J'ai l'impression que vous êtes pas bien cadré, hein. Je suis désolée, hein, j'ai pas de trépied. Je peux pas m'en acheter un non plus. La bonne excuse. Je vais peut-être me faire le masque au chocolat. Je l'avais testé il y a pas mal de temps, mais il est super bien. C'est le masque, je sais pas si vous verrez, voilà, c'est celui-là. C'est de la marque MT Masque Thérapie Absolu Chocolat. On dirait vraiment du... Enfin, on dirait que c'est du chocolat pour faire de la pâtisserie. Ça sent hyper bon. J'ai aussi des masques comme ça. Je sais même pas s'il est encore bon. Je pense pas. C'est les masques micro-bulles, vous savez. Les trucs qui font des bulles. Ça, je pense que c'est périmé. Faudra peut-être que je fasse un petit tri. Oups. Il y en a un qui est tombé. Celui-là, il est un peu hard. Il est très brut, on va dire. Mais il est bien. Donc, je sais pas si je vais le faire. Je vais plutôt finir le chocolat, je pense. Ça fait vraiment du bien à la peau, ça hydrate de fou, c'est un truc de malade et ça n'assèche pas et ça c'est vachement bien. Et je crois qu'il m'en restait pas beaucoup à l'intérieur. Ouais, il me reste un peu moins de la moitié. On dirait qu'on met du chocolat fondu sur sa gueule. J'adore ce masque, il est génial. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je le retrouve. Hein. Mais il est vraiment super bien ce masque. Je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma petite dose, je mets que à certaines parties de mon visage, genre en zone T, pour vraiment le garder. Mais là, comme j'en ai plein de masques, je vais le mettre sur tout mon visage. Et il est vraiment trop, trop beau. Il y avait une spatule avec. Mais je préfère l'appliquer au doigt. J'ai l'impression que ça pénètre mieux dans les pores. Il permet de bien hydrater la peau et de l'illuminer. Donc ça, c'est un très bon masque que je vous recommande à 100%. Donc on va laisser sécher ça. Bichette est d'accord. Et après, on va se laver, hein, écoutez. Je sais pas si je me prends un bain ou pas. Et en attendant, il faut que je fasse ma miniature pour la routine du soir que je n'ai pas faite. Elle sort donc demain. Là, en fait, on est dimanche. Le dimanche 5 avril. Il faut que je fasse ma miniature. Sauf que... Oui. Bah oui mon chat. Tu veux sortir mais c'est pas possible hein. Et des fois il y a Bichette qui se met là et qui veut monter sur l'échelle. C'est l'échelle de la mezzanine. En fait quand on était à Villejuif, il montait par l'échelle en fait. Et là des fois il monte et tout, il nous regarde en mode maou. Je dis mais oui. D'ailleurs oui, on l'a vend après le confinement. Comme quoi tu vois, ça prend pas trop de place hein, la mezzanine. Je suis contente. Ça prend pas trop de place, on a bien enroulé, on a bien voilà, mais après ça cache le. Mais voilà Bichette, des fois il est en mode maou maou en repensant au passé, mais faut avancer Bichette hein. Bon, je crois que j'ai mis au moins 45 minutes à faire une miniature, c'était hyper galère et là mon masque a bien séché. Vous pouvez voir qu'il craque. Donc je pense que c'est pas mal. Là c'est pas trop sec encore. Finalement je vais me faire un petit bain, donc j'ai pas trop rempli la baignoire. Je m'en fais vraiment un tout petit. Hop. Avec une pompe de bain, ma jolie candle, mes préférées. Après, j'ai pas encore testé celle de chez Lush, mais celle de chez Lush, elle coûte beaucoup plus cher. Donc, faudra peut-être que je teste. Ah, il y a un chat qui veut venir. Oui. Allez, c'est parti. Bichette, ordi, bombe de bain, bain, masque sur la gueule, je pense qu'on est au max. Bon, je viens de finir de me laver, enfin il y a un bon bout de temps, même il est 23h30, je me suis mis le masque, la neige, le masque hydratant pour la peau. Je vais vous laisser, je vais aller jouer à Animal Crossing un petit peu, je vais sortir aussi un petit peu Birdie vu qu'il n'y a pas grand monde. Puis bah voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu, j'essaie de vous faire un maximum de vidéos, même si des fois elles sont pas très intéressantes, j'essaie au maximum de filmer pour changer les idées en fait. Donc là dans les prochaines vidéos je vais essayer de faire donc les courses, ce serait peut-être bien. Mais surtout il faut que je fasse le ménage et que je trie encore des cartons. Il n'y a que en filmant que j'arrive à me motiver à faire tout ça. Donc ça sera le thème des prochaines vidéos. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'est une sous-préfète, je vous mettrai dans cette vidéo que c'est l'écran juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.